Voilà, bien bonjour, bonjour, bonjour la Martinique, bonjour les Antilles, bonjour tout le monde. Voilà, nous voilà nouveau réunis, excusez-moi, je me paye le temps de... Nous voilà à nouveau réunis pour parler de plantes. Et aujourd'hui, je vais quand même insister davantage sur la fleur bleue. Je ne sais pas si l'image passe bien, si ça va, dans... voilà, si ça va. Ok, donc on voit que c'est un peu noir, mais est-ce que vous m'entendez? Si tout va bien, vous nous appelez pour le dire. Alors, s'il y a un problème, appelez-nous aussi pour nous le dire. Alors, bien bonjour. Aujourd'hui, je vais quand même insister à nouveau sur la fleur bleue, sur cette fameuse fleur que nous avons parlé dernièrement, que nous devons parler davantage et avoir plus d'explications et beaucoup plus de choses à dire et à redire sur cette fleur bleu. Pour ceux qui n'ont pas le temps, disons qu'ils n'ont pas pu écouter la semaine dernière, c'est que nous avions parlé déjà de la fleur bleue et nous en reparlons en donnant davantage de détails dessus, spécialement sa composition, ses substances chimiques. Pas chimiques, je veux dire ses substances biologiques. Et là, bien sûr qu'elle détient du terpénoïde, des flavonoïdes, des stéroïdes et un grand nombre de propriétés, et que spécialement cette fleur bleue, j'en ai donné à certaines personnes, mais il me faut aussi vous donner les graines pour planter, parce que cette fleur est très très importante dans la pharmacopée antillaise. C'est une fleur qui permet, qui empêche le vieillissement de la peau, mais nous allons co commencer d'abord à en parler. Pour la cosmétique, je vais vous donner des recettes qui vont vous permettre d'utiliser cette fleur pour faire vos crèmes et pour vous laver le visage, pour la peau ou pour les problèmes de peau. Alors, on utilise le colorer les aliments. On peut utiliser pour colorier les aliments. On peut utiliser la fleur bleue pour colorer les vêtements. On peut utiliser la fleur bleue pour faire des sirops. Pour mettre sur une bonne glace au coco. Alors vous versez le sirop bleu sur une bonne glace au coco et je vous assure que c'est bon. Quand vous faites aussi du lait de coco, vous pouvez en ajouter, c'est succulent et c'est très bon. Quand vous faites aussi du jus de maracuja, vous ajoutez le sirop de la fleur bleue et ça vous donne une belle couleur artificielle arc-en-ciel et c'est très bon. Donc, la fleur bleue, on peut aussi l'utiliser le sirop sur le gâteau. Si vous avez un gâteau coco, si vous mangez un gâteau coco, vous trempez ce petit gâteau coco dans le sirop de fleur bleue, je vous assure. Bon, pas pour les diabétiques. Mais toutefois, si vous avez de la fleur bleue, vous pouvez faire bouillir et vous pouvez simplement tremper le gâteau coco dans un peu de sirop de fleurs bleues. Donc, j'en ai fait ce week-end. J'ai fait beaucoup de sirop. Je vais d'abord le mettre en bouteille, comme ça, vous l'aurez, vous allez goûter. Vous verrez comment c'est excellent. La fleur bleue, vous pouvez aussi le mettre dans l'eau de coco. Si vous achetez de l'eau de coco, vous ajoutez un peu de sirop de fleurs bleues dedans et c'est d'excellent. Super bon. La fleur bleue donne un goût particulier à l'eau de coco et c'est succulent. Ce sont des choses que nous allons organiser. Donc, on va nous permettre de demander, disons, samedi, je serai en Guadeloupe. Samedi, je ferai goûter le sirop de la fleur bleue. Pour tous ceux qui sont d'accord et qui sont intéressés, même les vacanciers, peuvent venir. Nous, c'est, disons, l'entrée est gratuite. Vous pouvez venir en Guadeloupe, derrière, autour de bébé. Nous allons faire goûter la fleur bleue de différentes façons de la consommer. Dans le thé, vous pouvez le consommer. Vous pouvez consommer, comme je vous ai donné des recettes, en sirop. Et vous pouvez aussi utiliser l'huile de fleur bleue. Là, pour l'instant, pour l'huile, je suis en train de le faire tremper. C'est l'huile que je vais utiliser pour préparer des crèmes anti-âge, anti-rides
pour les personnes qui décident s'y prendre un peu plus tôt pour utiliser et avoir une très belle peau. Vous aurez la crème du clitoria ou la fleur bleue ou bien la fleur papillon. Donc, samedi, nous organisons une journée pour tout chacun qui veut découvrir la plante, la fleur, le goûter. Donc, on fera des dégustations. Et donc, je le ferai aussi pour la Martinique. Je sais que, voilà. Donc, vendredi prochain, je vais m'organiser pour la Martinique. Je vous donne peut-être les dates. Ce sera mieux. OK? Ne vous inquiétez pas. Je vous donne la date. Et samedi, quand j'arrive en Guadeloupe, ce samedi, nous sommes le 23. Nous sommes aujourd'hui mardi le 23, 24, 25, 26 et 27. Donc le 27 août, de 9h à 16h, vous êtes cordialement invités à partir de la Guadeloupe à découvrir la fleur bleue et goûter. Le vendredi, une semaine après, ce sera pour la Martinique où ils pourront goûter entièrement, ou plutôt au lieu de faire même le vendredi ou bien dimanche, on peut le faire et on vous fera goûter le sirop, les gâteaux, le sorbet et tout ce qui suit. Vous verrez comment c'est d'excellence de consommer la fleur bleue. Et la fleur bleue peut être mise aussi dans votre planteur. Quand vous buvez un planteur, vous ajoutez un peu de sirop de fleur bleue et je vous assure, ça vous fait une très belle couleur. Le planteur sort en arc-en-ciel, vous avez une très belle couleur et aussi un très bon goût. D'accord? Pour ceux qui aiment, qui peuvent supporter l'alcool. Ça, c'est la partie gustative. Maintenant, la partie bienfait de la fleur bleue. La fleur bleue est d'excellence et rajeunit les yeux. Pour faire des collyres, on peut utiliser la fleur bleue pour pouvoir régénérer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je me mets de côté, pour bien voir quelle fleur. OK, bientôt, vous en trouverez un peu partout. Ça nous permettra d'évoluer dans notre connaissance et amener de belles choses aux Antilles. OK? Donc, cette fleur, que vous voyez bien sûr, vous aidera bien sûr à nettoyer les yeux. Je le mettrai aussi dans l'été pour les yeux. Je vais le mettre aussi pour rajeunir les yeux. C'est bon aussi contre le glaucome. C'est bon pour rafraîchir les yeux. Ça, on peut le faire en collyre. C'est une plante qui est d'excellence pour les yeux. Alors, le thé, le thé bleu est d'excellence aussi pour le diabète. Vous pouvez en consommer à volonté. Ne vous gênez pas, je ne vais pas vous dire que les précautions avec la fleur bleue, il n'y en a pas tellement. On n'en a pas trouvé jusqu'à maintenant. On a trouvé les bienfaits et on n'a pas trouvé le négatif, les précautions. Alors, vous préparez un thé après le repas contre le diabète. On l'utilise contre le diabète. On l'utilise, comme je vous ai dit tout à l'heure, en collyre. Et on l'utilise aussi dans un grand nombre pour les vitamines que contient cette fleur qui est d'excellence. Alors, comme je vous ai dit, bien sûr, comme toutes les plantes, elle lutte contre les radicaux libres, comme toutes les plantes, elle ralentit le processus inflammatoire, et comme toutes les plantes, elle ralentit le photovieillissement du corps, de la peau et des organes. Alors, comment ralentir le vieillissement? Je vous donne des recettes à faire. Si vous avez de quoi écrire, vous prenez un pilon, vous mettez de la fleur bleue dedans, vous ajoutez, bien sûr, vous pouvez couper un concombre et pilonner aussi un concombre, bien. Alors, pilonnez bien et la purée que vous allez obtenir, vous allez le placer sur le visage. Donc, vous pouvez faire un masque avec la fleur bleue. Vous pouvez aussi ajouter la fleur bleue, ou plutôt l'huile de fleur bleue, dans de l'argile et en faire un masque. Donc, vous aurez l'huile bientôt. Je dois laisser macérer d'abord. Donc, vous aurez l'huile de fleur bleue
que vous pouvez ajouter dans votre masque ou dans votre crème et le passer sur le visage. Ne vous inquiétez pas, le visage ne deviendra pas tout bleu. Et ne vous inquiétez pas, bien sûr, en le mettant même dans les cheveux, ça ne va pas bleuir les cheveux ou la peau. Ne vous inquiétez pas, mélanger à l'huile, ça ne vous laisse pas des taches. Vous n'aurez pas du tout de taches sur la peau, une tache bleue, non. Ça, c'est bien sûr que c'est la fleur bleue, mais ça ne veut pas dire que ça vous laissera des problèmes de couleur sur la peau. Alors voilà, nous avons vu le bon côté de la fleur bleue. Nous allons encore davantage découvrir les vertus extraordinaires de la fleur bleue. Et bientôt, vous en aurez partout. Donc, vous pourrez faire un travail exceptionnel. Quand on aura séché, on peut le pulvériser aussi. J'ai un appareil que je reçois pour bien sécher les fleurs. Donc, on peut pulvériser et l'utiliser. On pourra utiliser la poudre de la fleur bleue que vous pourrez mettre dans le riz. Parce que si vous voulez avoir un riz bleu, vous prenez une fleur bleue ou deux, trois fleurs et vous mettez dans le riz. Vous mettez dans le riz et c'est d'excellence pour donner une belle couleur. Donc, vos collègues vont être surpris, mais c'est naturel et il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas trop de précautions avec la fleur bleue. Vous pouvez mettre une fleur bleue dans votre riz blanc, ce qui donnera une couleur bleue à votre riz ou bien un joli bleu. Il faut qu'on apprenne aussi à colorer la nourriture parce que les couleurs que ces vies qui sont dans la nourriture sont d'excellence pour le corps humain. OK? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui. Bon. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, je peux parler à Mme Agatha? Oui, vas-y. Oui, bonjour, Mme Agatha. Je vous ai entendu parler de la fleur bleue. Je voulais vous dire, j'étais en Guyane il y a à peu près un mois et demi, et quelqu'un m'a fait goûter cette fleur. La façon que je vois que c'est présenté à la télé, c'est exactement ça. Alors, Et c'était bon. Je n'ai pas trouvé si extraordinaire, mais quand même, la personne m'a dit, même, c'est même une plante aphrodisiaque. Je ne sais pas ce que vous pensez. Bon, avis aux amateurs. Celui qui l'a essayé et qui sait qu'il est aphrodisiaque peut en parler. Oui. Ah, d'accord. Bon, écoute, je l'ai goûté une seule fois, je ne peux pas trop témoigner, mais ça... Façon de faire. Alors, il faut faire bouillir. Oui. Alors, il y a plusieurs façons. Donc, je fais de la gelée avec, je fais bouillir, je mets de la cannelle, je mets de la muscade, je mets de la vanille. Oui. OK? Oui. Et puis, je peux mettre aussi un peu de cimos. Vous connaissez le cimos de la Dominique? Oui. Alors, vous pouvez le mettre, vous pouvez... Alors, vous faites bouillir. Oui. Et, non, d'abord, faites bouillir le cimos, une poignée de cimos. Oui. Vous faites bouillir le cimos en ajoutant cannelle, muscade et tout ce que vous voulez. Oui. Et quand vous avez fait bouillir la fleur bleue à part, vous avez récupéré cette eau, vous le mettez dans le cimos et vous mélangez bien. Ah. Et après, vous le mettez au réfrigérateur et vous avez de la gelée, super gelée, avec une très belle couleur. Ah, d'accord. Je fais ainsi. Autrement, j'ai fait bouillir, j'ai fait du sirop avec. Oui. Et le sirop, je le mets sur, comme j'ai dit, les gâteaux coco. Je mets aussi sur la glace au coco. Oui. Mm-hmm. Et je le mélange aussi avec du lait de coco, bien avec de l'eau de coco. Parce que la fleur bleue se marie très bien avec la noix de coco. Ah, excellent alors. Ah oui, essayez, vous allez voir comment c'est super bon. Merci beaucoup. Hein. Ça se marie très bien avec la noix de coco. Oui. OK, eh bien, je suis bien content que vous m'avez appris quelque chose. Allez, au revoir. Merci. Avec la fleur bleue, là, je vais faire les crèmes. Après, je vais faire des huiles. Je vais pulvériser. On aura en poudre. Donc, on pourra utiliser la poudre aussi et faire ce qu'on veut. Hein. Donc, il y a tellement de choses à faire avec les produits, à transformer. C'est extraordinaire. Alors, je vous disais que la fleur bleue renforce le système immunitaire. Il augmente les défenses de l'organisme. Alors, avec tous les problèmes de maladie, vous avez la fleur bleue qui peut augmenter votre défense, les défenses de l'organisme et renforcer le système immunitaire. La fleur bleue
Et la saturation d'oxygène et l'enrichissement du sang ont un effet bénéfique sur le système circulatoire. Alors, la fleur bleue est d'excellence pour la circulation du sang. La fleur papillon, nommée aussi fleur bleue ou bien clitoria, c'est un thé qui nettoie le système nerveux parce qu'une personne m'a appelé la semaine dernière me dire qu'elle dort bien avec la fleur bleue. La fleur bleue lui a permis de retrouver son sommeil. Alors, vous voyez les bienfaits? Parce que la fleur bleue calme le système nerveux. Donc, elle vous permet de bien dormir. Ah, c'est pas merveilleux. C'est trop merveilleux. Alors, il fait allonger. Il permet aussi d'allonger le sommeil, d'aller mieux si vous voulez. Vous pouvez mélanger la fleur bleue avec du propre soldat et un peu de thé rouge et vous verrez, vous dormirez très, très, très bien. La fleur bleue, bien sûr, la fatigue est d'excellence contre la fatigue systémique et soulager en même temps, il tonifie parce qu'il vous permet de dormir, donc cela vous tonifie. Il permet aussi d'augmenter la mémoire, d'améliorer la mémoire, mélanger avec du poupier, fleur bleue, poupier, pompon soldat et brisé vous permettent de préserver votre mémoire et concentration. La fleur bleue détient du calcium. Alors, mélangez avec de la noix de coco, il n'y a pas mieux pour augmenter votre taux de calcium ou donc il renforce les os. Donc, pour ceux qui souffrent d'ostéoporose, pour ceux qui souffrent d'arthrose, consommez de la fleur bleue mélangée avec du lait de coco ou bien avec de l'eau de coco qui va renforcer vos os. C'est pas merveilleux? Alors, la fleur bleue, excellent contre la tension artérielle et il se permet même de stabiliser la tension. Il permet même de stabiliser la tension. Il fait surmonter la fatigue systématique et la fleur bleue, c'est un tonifiant. Il y a quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour Madame Agatha. Oui, bien sûr, bonjour, Oui, bonjour. oui. Je vous demande quand j'ai mon fils qui souffre énormément avec son rein, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Quel remède vous pouvez me donner? Je n'ai rien compris. Mon fils qui souffre avec son rein, il a toujours mal au rein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel remède? Ce sont les nerfs qui sont coincés, s'il n'a pas une hernie discale. Je Il a ne pas sais pas si c'est l'organe, les reins en lui-même qui est enflammé. Et donc, il faut le savoir. On ne peut pas lui dire, là, il va arrêter de souffrir. Boum, boum, il faut savoir pourquoi il souffre des reins. Ça lui prend comme ça, c'est pas tous les jours. D'accord, ce n'est pas tous les jours, mais il faut savoir pourquoi il a des maux de reins. Ah, d'accord. C'est quand j'aurai le pourquoi, je saurai le comment. D'accord. Hein? Il faut connaître le pourquoi pour donner le comment. Comme il est diabétique aussi, c'est ça? Certainement, c'est de l'acide qu'il a dans les reins qui commence à abîmer les reins sérieusement. Ah, d'accord. D'accord? Alors, il faut me rappeler tout à l'heure. D'accord. Ok, on fait comme ça. Ok. C'est bon? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Ben, tout à l'heure. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Alors, nous parlions de la fleur bleue, la fleur papillon. On peut l'appeler papillon, on peut l'appeler clitoria. On peut l'appeler comme on veut parce qu'en même temps, elle ressemble à une petite orchidée. On voit qu'elle est merveilleusement bien. La fleur bleue est d'excellent pour le cerveau. Puisqu'il améliore la circulation cérébrale. Et le thé bleu nettoie les vaisseaux sanguins, apaise le taux de cholestérol. La fleur bleue est d'excellent contre le cholestérol. Il améliore les maladies vasculaires, il améliore le cœur et il améliore aussi les vaisseaux sanguins. Et il baisse le taux de cholestérol. Alors, c'est pour cela qu'il faut utiliser
la fleur bleue en tout ce que vous faites. Voyez, ça, c'est une plante passe-partout qui a beaucoup de vertus et qui permet d'améliorer la santé. Alors, vous voyez, la nature, c'est pour nous, c'est pas contre nous. La nature, c'est pour nous, c'est pas contre nous. Alors, si on pouvait éclaircir un peu l'image, ce serait mieux, parce que c'est dur. Mais éclaircissez un peu l'image, si vous pouvez. Alors, je disais que la fleur bleue pour le cerveau est d'excellence. Si vous mélangez la fleur bleue, poil à gratter, pompe au soldat, et brisé ou bien du thym, c'est d'excellent pour améliorer la mémoire, le cerveau et donner la dopamine nécessaire au cerveau. La fleur bleue améliore la vision. Donc, je vous ai donné des recettes. Pour la vision, on a le plantain, on a le thym mélangé à la fleur bleue. Vous faites bouillir, vous mettez au réfrigérateur et vous mouillez des compresses et vous posez sur les yeux. Vous posez sur les yeux. Alors, vous pouvez utiliser la fleur bleue pour lutter contre le diabète, bien sûr, le métabolisme, le baisser le taux de sucre, apaiser la glycémie. L'utilisation de plantes en combinaison avec l'hibiscus est particulièrement efficace pour le sommeil. C'est particulièrement efficace si vous mélangez coquelicot, bien là, les hibiscus avec la fleur bleue. Ça vous fait un super mélange pour le sommeil. Alors, vous voyez comment c'est merveilleux. La nature, elle est unique. Donc, quand quelqu'un me dit que je ne crois pas, que ce n'est pas une plante qui réussira à me soigner, c'est qu'ils n'ont vraiment rien compris. Et je me dis toujours, pourquoi nous mangeons des légumes puisque nous ne faisons pas confiance à la nature? Pourquoi nous nous nourrissons des fruits de la terre puisque nous ne faisons pas confiance à la nature? Il faudrait y réfléchir. Quand quelqu'un vous dit que ce n'est pas une plante ou bien un thé qui fera la différence dans sa santé, c'est qu'il est vraiment, vraiment, vraiment loin, loin, loin de la réalité de ce que Dieu a mis sur terre pour nous aider, parce qu'il n'y a rien qui a été mis sur terre qui ne soit puissant pour notre bien-être. Il n'y a rien qui soit mis sur terre, même si les plantes qui sont des poisons pour l'homme ont leur importance et leur nécessité d'être utilisées autrement. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô, 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 allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha. Allô? Écoute. Allô? J'écoute. Oui, bonjour Madame Agatha. Qu'est-ce que vous me conseillez pour quelqu'un qui a le zona? Alors, pour le zona, c'est l'extrême, le thé mélangé pour qui a du millepertuis. De l'extrême, enlever l'inflammation et le thé éclair pour détruire le virus. Le comment, je ne suis pas entendu. Éclair détruit le virus. Le d'extrême arrête la douleur du système nerveux. Et le solide enlève l'inflammation. Ah, d'accord. OK? À partir de là, la personne sera débarrassée du zona. D'accord, merci. C'est bon? Alors, le solide, vous m'avez dit? Quand vous viendrez, on vous donnera le traitement. D'accord. On vous donnera le traitement, ce sera plus simple. D'accord. OK, il n'y a pas de problème. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne, peut-être? Oui, allô? Allô, oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, vas-y. Oui, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu as pour quelqu'un qui fait l'attention dans les yeux? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le thé plaisir de voir. Dedans, je vais mettre du bleu, la fleur bleue ou bien la fleur papillon qui vous permettra de vous débarrasser du glaucome. Le thé s'appelle plaisir de voir. Le thé, allô? La fleur, ouais.
La fleur, où est-ce qu'on trouve cette fleur-là? Elle est trouvée au magasin. Ah, d'accord. Alors, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Le plaisir de voir, le thé plaisir de voir le glaucome et on va mettre un peu de fleurs bleues pour toi et du ginkgo biloba. Tu n'es pas la télé, ça va être super difficile. D'accord. Tu m'as entendu? Oui, allô? Oui, c'est difficile. Ça ne guérit pas. Mais je n'ai pas dit ça. Tu m'entends pas que je parle? Non, j'entends pas bien. La télé? Mais je n'ai pas dit ça. Oui, là j'écoute. J'ai augmenté sur la télé. Et tiens la télé. D'accord. Là, voilà. Eh bien, voilà. Et j'écoute. Maintenant, logué. Alors, je disais que le glaucome s'en va très bien si on prend l'habitude de se nettoyer les yeux avec des mélanges de plantes. Ça s'en va très bien. Spécialement si on utilise du ginkgo biloba aussi. Et si on utilise la fleur bleue, que je le mettrai dans un mélange qui s'appelle plaisir de voir. Et donc, ça va faire partir le glaucome. D'accord? D'accord. Ouais. C'est la tension dans l'œil, hein? Je connais le glaucome. Pardon? Je connais le glaucome quand même. Ah, d'accord. Ouais? D'accord. Il n'y a pas de problème. OK, à bientôt. Et au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Bien, bonjour, madame. Oui, je veux savoir qu'est-ce que vous avez pour le bouffée de chaleur. Alors, vous avez le thé alizé. C'est comment? Qui s'appelle alizé. Le thé alizé. D'accord. Donc, c'est pour baisser vos bouffées de chaleur. Oui. Oui, allô? Et on le boit matin et soir ou? Vous le buvez matin et soir. Mm-hmm. Il faudrait le boire une tasse matin et soir et les bouffées de chaleur s'en iront. D'accord, merci. Avec plaisir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Vous m'entendez? Oui, bonjour, oui. Vous m'entendez? Je vous appelle, c'est pour ma mère. Oui, allez-y. Oui, c'est pour ma mère. C'est comme elle a une sensation d'eau dans les pieds. C'est pour savoir qu'est-ce qu'il faut lui donner. Elle a quoi? Une sensation d'eau dans les pieds. Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Elle est diabétique. Elle est diabétique, oui. Alors, il faut qu'on règle le diabète. Il faut régler le diabète qui permettra de régler l'acide et qui permettra d'enlever l'eau qu'il y a dans le corps. Télé, si vous plaît. Éteignez la télé pour parler, s'il vous plaît. Oui. D'accord? Oui, j'ai baissé. Voilà. Alors, comme je vous dis, quand vous viendrez, on va vous donner de quoi pour qu'elle draine, qu'elle améliore son sucre, qui va améliorer le taux d'acide et qui va enlever l'eau qu'il y a dans les pieds. D'accord? D'accord, oui. Ça va s'en aller. D'accord, je vais lui dire. Merci. Problème. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est madame Agatha. C'est bien moi. J'appelle pour mon petit bébé, enfin ma petite fille qui a des taches sur la peau. Elle a 2 mois. Blanche? Des taches, des mycoses. Ah bon. Donc, il faudrait la nettoyer. De lait. Et comme je sais qu'elle est bain de feuillage, j'en ai, mais je ne sais pas comment utiliser. Il y a glycérine, cascalata, bonnet carré, et aussi une quatrième plante que j'ai, mais je ne sais pas comment utiliser. Et puis, à quelle fréquence et quelle quantité.
c'est de mettre un peu de feuilles dans l'eau bouillante, dans l'eau au soleil. D'accord. Et le soir, vous allez, et ce sera mélangé, ce sera cuit avec l'eau, et le soir, vous pouvez la baigner avec. Ah, donc dès le matin, on prépare? Oui, dès le matin, vous mettez dans une bassine exposée au soleil, et après, vous baignez l'enfant le soir avec. D'accord. Et voilà, vous pouvez lui donner deux, trois gouttes à boire. Mais toutefois, c'est ce qu'on faisait dans notre temps, mais toutefois, l'enfant, en ayant déjà des muqueuses, a un microbiote assez appauvri. Donc, quand vous aurez le temps, venez prendre du solide pour vous nettoyer et nettoyer le bébé. D'accord. D'accord? Et elle n'aura pas de problème de peau puisqu'elle sera prête pour entrer dans le monde sans trop d'inflammation. Et on parlait justement de la maman qui était stressée, qui aurait pu entraîner ça, ces éruptions-là. Le microbiote qui sort, qu'ils ont, quand le bébé sort au niveau du vagin, il récupère le microbiote de la mère. Donc, le microbiote, quand il l'a récupéré, si la mère a un bon microbiote, il faut dire si. Normalement, les bébés en sortant récupèrent le microbiote, si la mère a un bon microbiote. C'est Mais ça. aujourd'hui, les enfants se retrouvent dans une situation que les parents, ne se connaissant pas, n'ont pas un bon microbiote. Donc, les enfants, quand ils sortent, ils ont toutes sortes d'inflammations. D'accord. Et surtout des boutons et la peau brûlante, de la muqueuse, la peau sèche, des C'est boutons, ça. dirais-je, de naissance, ce qui ne tient pas la route. Mais c'est un mauvais microbiote maternel qui amène ces bébés après d'avoir des problèmes. C'est Et ça. quand vous causez l'erreur de leur donner un biberon de lait tout de suite après la naissance, surtout quand le microbiote n'est pas encore bien formé, Oui. alors vous vous retrouvez avec des enfants qui sont souvent malades. C'est ça. OK? Donc, D'accord. la Et les première bains, chose, c'est quand pendant vous viendrez, jusqu'à disparition des taches? je vous explique, quand vous viendrez, je vous donnerai le solide pour nettoyer le bébé, ce qui va régénérer, renforcer son immunité. Vous aussi, vous allez faire pareil et vous verrez que vous aurez un enfant en bonne santé. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, je disais que les bains, justement, nous avons constitué 76 différents types de bains pour la femme pour nettoyer son utérus, pas l'utérus, nettoyer le vagin, nettoyer l'anus, nettoyer toute la partie intime, en enlevant les bactéries et tout, vous avez 76 différents types de bains naturels que vous pouvez vous utiliser. Là, nous allons créer aussi les bains pour les bébés à leur naissance, afin que les enfants se nettoient bien, se rafraîchissent à l'arrivée sur Terre. Et même pour les bébés qui ont des boutons ou des problèmes de peau, nous avons créé des différents types de bains. Nous avons aussi créé des bains pour les hommes, pour la prostate. Donc, vous aurez pour les hommes, vous allez retrouver une vingtaine. Ce sont des bains qui vont permettre, si la personne a une opération au niveau à l'anus, s'il a des hémorroïdes, s'il a un kyste à l'anus ou une tumeur à l'anus qui ouvre l'anus. Parce que parfois, pour enlever la tumeur qui se trouve à l'anus, on est obligé d'enlever une partie de l'anus. Et donc, la personne se retrouve avec cette cavité en lui, sans rien pouvoir faire. Donc, vous avez des bains qui permettent de régénérer cette cavité et permettre à la peau de se refermer au fur et à mesure. Pour ceux qui ont subi des sévices au niveau de l'anus en disant, vous avez poussé trop fortement pour aller à la selle, vous étiez constipé, donc vous avez poussé au maximum jusqu'à éclater les vaisseaux et vous causez des fissures à l'anal. Vous avez de quoi, des bains de siège pour vous aider à cicatriser la fissure anale. La nature n'a rien oublié et moi, je ne veux rien oublier. Qui veut dire je veux, avant que je ne laisse cette terre, sculpter la nature jusqu'au fond et avoir le maximum de secrets que les plantes peuvent et qui nous donnent et qui nous permettent de recevoir. Parce que c'est trop extraordinaire
pour sous-estimer la nature que nous avons comme un cadeau. Alors, je disais que pour les bébés qui ont des boutons de chaleur, ils ont des boutons de chaleur, ils ont de l'eczéma, ils ont des problèmes de peau, donc ces enfants retrouveront des mélanges de plantes pour leur bain quotidien et vous verrez, vous aurez des enfants avec une très belle peau, comme auparavant, comme au temps de nos parents. Ouais, les bébés, ils avaient une très belle peau. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Agatha. C'était pour une question. Quand je vais à la selle, je ne suis pas constipée, hein? Quand je vais à la selle, je m'y suis, il n'y a rien sur le papier. Est-ce que c'est normal? Ah, certainement, parce que les selles sont trop secs. Comme les selles sont trop sèches, ça ne laisse pas de traces. Et pourtant je bois de l'eau, je bois... Mais et quand tu vas à la selle, tu forces, non? Je fais quoi? Est-ce que je fais quoi? Est-ce que tu pousses? Non, ça sort... Naturellement? Oui, naturellement. Et il n'y a rien sur... Eh bien, tu as de la chance. Ah ouais? C'est que tu as moins de plis au niveau de l'anus. Ah, d'accord. Et donc, ça ne capte pas les selles en passant, ça le libère. Ouais. T'as compris? D'accord. Ok. Et puis aussi, je voulais dire que j'ai fait du jus de pompier la semaine dernière. Mais c'est d'excellent. C'est très, très bon. On ne prend même pas le goût du pompier. J'ai mis, comme tu as dit, avec du jus d'orange, du citron, et puis j'ai bu. Ah, c'est d'excellent. C'est très, très bon. C'est rafraîchissant. C'est très, ouais, voilà, c'est rafraîchissant. C'est très, très bon. Excellent pour le cerveau. Merci. Alors, il faut qu'on continue à consommer nos pompiers. Merci, Agatha. Merci avec beaucoup. Plaisir. Merci. Tu vois, tu viens de me redonner la recette, je ne l'avais même pas. Parce que quand je donne les recettes, je ne les connais point. D'accord? D'accord. Alors, profitez et, comme on dit, amusons-nous avec la nature. Parce qu'elle a tellement de choses à nous proposer. À bientôt, je passerai à goûter la semaine d'après. Je vais faire une journée pour les fleurs bleues. Comment déguster les fleurs bleues? Alors, pour tous ceux qui veulent venir, alors samedi, jeudi pour la Guadeloupe, on va faire une... Quand vous viendrez nous visiter samedi, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez appeler au magasin au 05 90 25 99 70 et pour vous inscrire, il n'y a pas de problème, c'est du gratuit. Là, ça c'est fini, donc nos vacances finiront bientôt. Vous pouvez amener aussi les enfants, on va vous faire goûter au sirop de la fleur bleue. Et cette fleur est tellement merveilleuse, tous les matins, vous avez plein de fleurs bleues sur votre arbre. Vous pouvez en cueillir tous les jours. Tous les jours, vous pouvez avoir la fleur bleue chez vous. Tant que vous cueillez, plus vous en avez. Alors, la fleur bleue est excellente. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, vous avez été à la télé? Oui, oui, la télé est éteinte. Mais allez-y, posez votre question. Alors, je voulais poser une question, c'est pour mon épouse. Oui, j'ai été à la télé. Allez-y, je vous écoute. Alors, je voulais poser une question pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que mon épouse a vitiligo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Alors, oui. Alors, est-ce que vous croyez que les plantes peuvent soigner votre femme? Non, on n'a pas vu de médecin pour ça. Alors, le vitiligo, c'est une perte de mélanine. Et cette perte de mélanine, souvent, provient de stress ou un dérèglement au niveau de la thyroïde. Alors, c'est tellement fort qu'il finit par détruire la mélanine et c'est pour cela qu'elle souffre de vitiligo. Donc, quand vous viendrez, je vous donnerai un traitement pour vous faire revenir la peau, la mélanine. D'accord? Vous m'entendez? Ok, d'accord. Croyez-moi,
Il y a dans les plantes de quoi? Il y a de l'huile, un mélange d'huile de soufre, de nigel, de cacao. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK, et on vous donnera le traitement et vous allez voir comment le vitiligo se guérit très bien. D'accord, j'ai noté. Croyez-moi, ça s'en va. Oui, je vous ai entendu, j'ai noté l'adresse. Ne... D'accord, et on fait comme ça. OK. À bientôt. Alors, je disais que le vitiligo, ne soyez pas défaitiste. Ne sous-estimez pas la nature. Croyez-moi, le vitiligo s'en va très bien par les plantes. Très, très bien. Parce que ce n'est qu'un dérèglement de la thyroïde et qui vous donne cette chaleur intense et qui détruit la mélanine. Dans la nature, nous avons de quoi pour régénérer la nature et la mélanine. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Ah. Oui, allô? Donc, vous pouvez passer quelqu'un d'autre? Oui, allô? Alors, oui, allô? Oui, Bonjour, bonjour. madame. Bonjour, madame. Allez-y, je vous écoute. Oui, voilà, j'ai un lupus. J'ai au visage, j'ai déjà vu des dermatologues et ils m'ont donné des pommades, mais ça passe pas. Non, mais ce ne sont pas des pommades qui règlent un lupus. Un lupus, c'est une maladie auto-immune. Qui est auto-immune. Pourquoi elle est auto-immune? Je vous explique. Un lupus, c'est une forte inflammation qu'il y Oui. a dans le sang. Donc, ça touche le système nerveux. Cette inflammation va au système nerveux et dérègle dérègle le corps. Et de là, vous aurez cette lupus ou d'autres, ou polyarthrite, ou myalgie, tout ce que vous voulez, parce que ce sont de fortes inflammations. D'accord. Donc, quand vous viendrez, on va vous donner le traitement. Et si, écoutez-moi bien, Oui. si un mois, dans un mois, votre lupus n'est pas parti, je ne m'appelle pas Agatha. D'accord. Il n'y a aucune maladie sur cette terre qui n'a pas le départ. Ouais. Et les plantes, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'ils commencent à vous aider au départ et ça vous délivre de la maladie. Donc les maladies incurables, ça n'existe pas. D'accord? D'accord. Alors vous passez, vous m'amenez vos documents, surtout vous amenez vos prises de sang, je le dis à tout le monde. Amenez vos prises de sang et surtout l'ordonnance du médecin pour ne pas avoir de problème. D'accord. Et on va vous donner un traitement et vous retournez voir votre médecin pour confirmer mes dires. Parce que je ne Merci. suis pas là pour mentir, il est déjà trop tard. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, madame, au revoir. Alors, pour conclure, samedi 27 août, nous vous attendons derrière autour de bébé à Jarry pour déguster nos fleurs bleues et vous en recevrez un peu si vous en voulez, parce que des fleurs bleues, il y en a plein. Ok? Je ne suis pas encore amené en Guadeloupe, mais je vais le planter. Mais vous pouvez avoir un peu de fleurs bleues, vous allez goûter, vous allez déguster, vous verrez ce que c'est, parce que cette fleur bleue, on peut l'utiliser dans tout sans avoir trop de précautions ou des contre-indications concernant cette plante. Alors, vous profitez, pour ceux qui en veulent et qui veulent avoir les graines pour pouvoir les planter, je vais vous en amener demain, je vais vous en amener, et n'oubliez pas, essayez d'en planter au maximum. Maintenant, on aura besoin, puisqu'on aura besoin un peu partout, dans tout. On a dit la peau, la nourriture, les vêtements. On peut même l'utiliser pour colorer les vêtements. On peut l'utiliser pour faire des bains de siège. On peut les utiliser pour mettre dans les plantes. On peut les utiliser. On les utilise partout. Parce que la fleur bleue, même, on peut l'utiliser quand on est malade, très malade, ou quand on a le cancer. Alors, c'est une plante qui est rafraîchissante, qui est d'excellence et que le corps a besoin. Profitez et découvrez encore, il y a encore plein de choses parce que cette fleur bleue existe en blanc aussi. Mais comme on ne le connaît pas trop en Guadeloupe, on a arraché le maximum parce que j'ai vu la fleur bleue, j'en ai vu en blanc.
Je l'ai vu de mes yeux, mais le retrouver, ce n'est pas facile. Si jamais vous trouvez une fleur blanche qui ressemble à la fleur bleue, n'hésitez pas à m'appeler. Il y a encore beaucoup à découvrir et à protéger afin que nous ayons une pharmacopée parfaite pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Je souhaite le meilleur à chacun. Alors rappelez-vous, samedi 27 août 2022, tous ceux qui peuvent venir samedi découvrir un peu ce que nous faisons, les plantes que nous avons pour toutes les maladies. C'est une pharmacopée remplie. Donc, vous pouvez passer, on va vous faire goûter, déguster la fleur bleue et les bienfaits de cette fleur. Je vous souhaite à chacun, et n'oubliez pas, mardi, je vais encore insister pour la Martinique, pour que je prépare la manifestation pour la Martinique avant la rentrée scolaire. À bientôt. Allez, au revoir.